Salut les bisous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur l'Aptivi et aujourd'hui je vous propose un Inside LAB immersif, un Inside LAB en 360 degrés. Vous allez pouvoir me suivre toute la journée, vraiment comme si vous y étiez. On se retrouve là, on est dans le studio, le nouveau studio que je suis en train de préparer pour les vidéos LAB. Vous l'avez vu dans l'un des derniers Inside. Voilà, c'est pas fini, je vous laisse jeter un coup d'œil. Mais c'est court et donc on va pouvoir bientôt rattaquer les vidéos type tutoriel, etc. Pour profiter au maximum de l'expérience du jour, je vous invite tout de suite à régler juste en dessous la qualité de l'image au maximum pour profiter vraiment de la 360. Si vous avez des lunettes de réalité virtuelle, c'est parti, chaussez vos lunettes, on y va. Et puis si vous n'avez pas de lunettes, essayez de regarder ça sur un navigateur type Google Chrome ou Firefox, ça fonctionne très très bien. On est parti, je vous embarque en 360 degrés. Let's go! Là, comme vous l'avez vu, ça fait plusieurs jours d'affilée qu'on travaille. Je rentre tard le soir, j'ai pas beaucoup le temps, donc le camion, il est tard. Peu importe, let's go! Le vent souffle déjà, vous avez vu autour de moi là, le printemps est là depuis quelques jours, les feuilles aux arbres, les fleurs, bref, on a du bon vent d'annoncer cet après-midi, une belle tramontane. Allez, je passe par les petites routes, faire profiter du paysage en Pic Saint-Loup. Bon, pour ceux qui s'inquiètent là du fait que les Inside LAB ce soit peut-être un format qui vous plaise pas, etc., ne vous inquiétez pas, les tutos, les vidéos classiques réarrivent, c'est juste le temps que je m'organise. Vous avez vu, le studio est encore pas terminé, le temps que je prenne le rythme avec Clémentine et Amy, voilà, tout ça, le temps de se mettre en place, ça réarrive bientôt, donc ne vous inquiétez pas, profitez des Inside LAB pour l'instant et tout le reste va suivre. Voilà, c'est le petit message pour les inquiets. Bon, ça passe, ouais, ça passe. Allez, on arrive à l'école par le passage secret. Par la petite place. Pour ceux qui viennent sur le spot, gabarit 2,20 m de hauteur et il doit y avoir 3 mètres en largeur, donc les gros camions, etc., ça passe pas. Et là tout de suite on voit qu'on est lundi. Hein. Le parking est beaucoup moins chargé. Par contre, super vent, ça souffle encore bien aujourd'hui. Parfait. Et regabarit pour accéder au parking, toujours 2,20 m. Les habitués en gros, hein. Toujours les mêmes. Bon, les vrais sont là comme d'hab. Ça, c'est les vrais. C'est les motivés, c'est ceux qui ride. Inside LAB numéro 2 qui en est donc à sa quatrième séance. Donc l'idée c'est, j'ai pris un kite, Pierre a pris un kite, on navigue avec eux, je les drive, et puis du coup Pierre assure la sécurité sur les temps avec son kite, donc on va se régaler. Vous l'avez juste en face, il est là, 5 mètres, 10 mètres, va-t-il envoyer du lourd, va-t-il envoyer du lourd, et non, il hésite. Ah, j'étais en train de dire, ah ouais, va-t-il envoyer du lourd sur le bord, en fait c'est...
pleine en l'air. Un démarrage assez rapide. Je vais s'étoiler. Vous pouvez le voir dans le ciel au-dessus de moi, je suis en 9 mètres brise. Vers le jour, vous savez, c'est mon aide d'hiver. J'ai ressorti une des planches assez fortes. C'est beaucoup plus fort que prévu. Donc on est parti. Let's go! Ça va monter très très haut dans les flots. Ça pousse vraiment là. Ça pousse grave. Tu gardes ton angle bien, ouais. Bien correct et là vraiment c'est, je te dis c'était parfait. Tu m'as pris en vidéo quand je partais bien ou pas? Bah, alors aujourd'hui c'était la vidéo en 360 donc je ne me rends pas trop compte de ce qu'on va voir à l'image. Oui, oui, non, mais oui je t'ai filmé ouais. Après tu verras là dans la vidéo qui est en ligne aujourd'hui là, on voit déjà tes premiers bords, on voit des beaux bords avec les gamelles et les défauts. Donc ça te permettra de te rappeler, ah bah ouais, faut pas que je refasse, faut pas que je refais ce qui se dit quoi. Bon ben nous voilà de retour à l'école, un petit peu avant la nuit, belle session encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Le format ne lui va pas, c'est pas intéressant. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, mec? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il n'y aura pas de vidéo si c'est comme ça. Petit sunset derrière les nuages. Bon, je vais chercher le camion, on va charger un peu de matériel à nettoyer la maison. Rincer quand même un petit peu les kites neufs, etc. Et puis une fois que tout est chargé, on reprend la route. Pour ceux qui viennent en été, vous avez la piste du LM. On s'est fait l'année passée, enfin cet été, un baptême ULM
vraiment grandiose. Là, je vous mets quelques images. Là, on est parti. Petit tour en ULM. On survole le spot. Vous allez voir, c'est un régal. Let's go.